Stéphane ? Oui ? Tu as une seconde. Il y a dans mon bureau un gars bizarre qui parle de meurtre. Bon, oui, si tu venais le voir, une minute. Vous pouvez rester assis. Je m'appelle Derrick. On dit que vous avez parlé d'un meurtre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le meurtre de mon oncle Arne Reuter, commis en août 1946 dans la forêt près de Bebra. En 1946 à Bebra, dans la forêt. Oui, j'en connais chaque recoin. Il existait alors une petite hutte, c'est là que le meurtre a eu lieu. Mais à que s'est-il passé? Mon oncle avait décidé de passer à l'ouest, en cachette, à travers la forêt. En ce temps, il y avait des tas de gens qui entraient et sortaient pour voir ce qui restait de leurs biens, qui, comme mon oncle, cherchaient ce que possédait la famille et tentaient de le ramener. Je sais que pour nous, c'était des brillants. Il faisait route avec un frontalier qui, tout près de la hutte, a frappé mon oncle et s'est approprié tous les brillants. Et ça a été prouvé. Il y a un rapport de police qui a recueilli certaines dépositions. Oui, il en existe. La police criminelle de Bebra a fait une enquête sur l'affaire. Cette enquête ne les a menés à rien et l'affaire a été classée. Ils ont fait une faute énorme. Je suppose qu'aucun meurtre ne doit rester impuni, mais c'est pourtant ce qui est arrivé. Et vous voulez que le dossier soit rouvert après tout ce temps? Vous croyez que le temps puisse jouer? Est-ce que je peux téléphoner? Oui. Voilà. Merci. Je vais appeler le meurtrier au téléphone. Allô? Arne Reuter à l'appareil. Je voudrais parler à monsieur Hanswald. Arne Reuter. Oui, j'attends. Mon nom ne lui dit rien. Ayez la gentillesse de dire à monsieur Hanswald de se souvenir du mois d'août 1946, au cours d'un passage illégal de la frontière dans la forêt de Bebra. J'attends toujours. Allô, monsieur Hanswald ? Mon nom est Arne Reuter. Non, pas le Arne Reuter que vous avez assassiné, seulement son neveu. On m'a appelé comme lui en souvenir de mon oncle. Allô ? Allô ? Raccroché. Qu'est-ce que vous en pensez ? Aucune réponse. Aucun mot, aucune question. Simplement raccroché. Ce coup de fil est-il le premier contact que vous ayez avec, comment dites-vous ? Hanswald, Alfred George Hanswald. Oui, c'est le premier contact. Où vivez-vous ? À Berlin. Voici mes papiers. Et vous êtes venu à Munich dans le but de nous raconter ça? Oui. Oui, parce que c'est un meurtre. Tu n'es pas encore prêt, Alfred? Et quelle heure est-il donc? Mais déjà 11h. Nous avons promis à Almuth qu'on allait passer la chercher. Oh, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi d'aller t'habiller. Oui, j'arrive, je viens tout de suite. Est-ce que tu as des ennuis? Oh, non, aucun. C'est ce coup de fil, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir, c'est sans importance, chérie. Ma famille tenait une joaillerie à Berlin. En août 1946, mon oncle Arne Reuter a voulu passer à l'ouest avec des brillants qui valaient plusieurs millions, ou peut-être plus, dans une illégalité totale, naturellement. Il avait emmené avec lui ce monsieur Hanswald, qui est arrivé seul à Berlin, qui a déclaré, dans une déposition, qu'au cours de la traversée de la forêt, son compagnon et lui avaient été attaqués par une bande de voleurs. Vous êtes au courant de tout? Oui, naturellement. Je ne suis pas venu vous voir les mains vides. J'ai la déposition que monsieur Hanswald a faite. On a pu m'en fournir une photocopie. Et c'est signé par un certain Alfred George Hanswald. Et ce papier dit qu'avec son compagnon Hanswald, vers 6h du matin, aux alentours d'une petite hutte qui se trouvait dans la forêt, ils ont été attaqués par une bande de voleurs qui les ont complètement dépouillés de ce qu'ils avaient. Je connais cette déposition, je la connais par cœur. Elle ne dit pas la vérité.
Ma version, c'est que... C'est que mon oncle a été tué par cet homme qui lui a volé les brillants. Votre version, monsieur Reuter. C'est une simple supposition, rien d'autre. Supposition. Je n'admets pas ce mot. Et j'aimerais bien entendre ce qu'Hanswald aurait à nous dire. Ça pourrait être amusant. Vous n'êtes ni étonné ni intrigué par son attitude au téléphone. J'appelle et je dis mon nom. Une femme répond et me dit que monsieur Hanswald ne me connaît pas. Il ne connaît pas le nom de celui qui a été assassiné à ses côtés. Quand lui-même vient au téléphone, je lui répète mon nom et puis il raccroche. Quoi qu'il en soit, cette déposition ne peut l'accuser en aucune façon. Nulle part il n'y est fait mention de brillant. Viens. Tu as réussi? Oui. Oh, c'est gagné. Oh, je suis ici. Il a un fils et il a une fille. Il a aussi une femme. Ce sont des gens charmants. Nul n'irait penser que cet homme est un meurtrier. Rien n'est prouvé de ce que vous dites. Écoutez bien, il faudrait trouver des faits nouveaux et plus convaincants. Après cela, il y a eu mon solo. Je croyais que j'allais être énervée. Et je n'ai absolument rien eu. Je n'ai ressenti aucune anxiété. C'était, oh, un formidable sentiment de force. De sécurité. Je pleurais littéralement, et la musique également. Oh, père. Bonsoir. Oh, salut. Oh, Hervé. Salut. D'abord, la salut. Je veux surtout la féliciter. Je leur disais à l'instant que c'est extraordinaire. Je leur ai parié, j'étais sûr de toi. Je savais bien que tu allais réussir. Tout le temps, j'ai songé combien je voulais t'aider, être près de toi. J'aurais voulu aussi prendre ta place. Tu as été à mes côtés tout le temps, hein? Comme si la musique venait d'une autre que moi. Maman. Mon amour. Papa. Mon grand. On va boire pour fêter l'événement. Oui. Eh bien, dis donc, tu te relâches, papa? Tu n'as pas encore commandé le champagne pour arroser la gloire de ta fille? Vous habitez où à Munich? Dans une pension de la Schwanthalerstraße. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi. Des faits. Je vais m'en occuper. Je vais vous en trouver des faits. Vous allez m'attendre quelques instants à côté. Je vous rends la déposition tout de suite. Merci. Merci de m'avoir écouté. C'est gentil. Que penses-tu de cette histoire? Il faut essayer de comprendre. Oui. J'ai quand même fait un téléx au commissariat de Bebra. Oui, fais donc ça. Mais ce qui me chiffonne un petit peu... Chez ce garçon, c'est sa conduite et son sang-froid, cela me paralyse. C'est rare, un garçon aussi énergique. Quelle belle journée! Aujourd'hui, je me sens follement contente de moi. Mais tu as eu un gros succès, c'est pour ça. Ta réussite, je pense que tu l'as méritée. Je sais que ton père le pense aussi. N'est-ce pas, Alfred? Qu'y a-t-il, mon chéri? Tu parais lointain, absent. Tu as des ennuis? Non, ça va, je n'ai pas d'ennuis. J'ai pas cessé d'écouter. Je suis follement heureux aussi. Mais le bonheur vous rend euphorique, comme la maladie peut vous rendre nerveux, c'est prouvé. Et ma fille, aujourd'hui, me rend fou de joie et de bonheur. Encore un de tes admirateurs. Je voudrais rester seule. Oui. Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous? Mon nom est Arne Reuter. C'est
c'est vous qui avez appelé au téléphone. Oui, c'est exact. Je désire parler à votre mari. Vous êtes Madame Hansvald, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Dois-je le dire à haute voix et en public? Suivez-moi, excuse-nous un instant. Alors vous venez, vite. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis désolé de vous déranger. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi vous me téléphonez? Pourquoi venez-vous ici? Je crois vous l'avoir déjà dit, au téléphone. C'est mon oncle Arne Reuter que vous avez bêtement assassiné. Pourquoi m'avez-vous raccroché au nez? Je n'ai pas la moindre explication à vous donner, c'est mon droit le plus strict. Et si vous continuez, je vous flanque à la porte. Laissez-moi poser une question. Vous connaissiez mon oncle Arne Reuter? Je vous demande cela, sachant très bien que vous l'avez connu. Vous êtes fou, je ne sais pas qui c'est. Vous avez pourtant fait une déposition? À la police de Bebra. J'ai cette déposition. Je me la suis procurée. Vous l'avez même signée de votre nom. Vous reconnaissez votre signature? Puis-je vous offrir quelque chose? Non, rien du tout. Je voudrais ne pas être dérangé. Excuse-moi. C'est insensé. Relisez-la en toute tranquillité. C'est en 46 que les choses se sont passées. On ne peut pas oublier des événements aussi atroces que cela. Vous traversiez la forêt et votre compagnon a été tué. Est-ce qu'on peut oublier cela? Oui, je me souviens maintenant. Oui, j'ai fait cette déposition, oui, c'est moi. Arne Reuter. Est-ce qu'une photo pourrait rafraîchir vos souvenirs? Non, c'est inutile. Vous savez donc de qui je parle? Vous vous en souvenez à présent? Je vous ai déjà dit oui. C'est moi, je m'en souviens. Et des événements de la forêt de Bebra? Oui, seulement... Je n'ai pas un mot à ajouter à ce document-ci. Tout s'est produit exactement comme je l'ai écrit. Dans ce procès-verbal, on a été attaqué par une bande, comme ça se passait souvent. C'était une époque chaotique, tout allait sans dessus dessous. Je suis au courant. J'ai fait ma petite enquête, je me suis informé surtout. Pouvez-vous me dire... Les brillants. Vous saviez que mon oncle Arne avait emmené sur lui une petite fortune, que sa veste était remplie de brillants, dont on ne connaissait pas encore la valeur? Non, tout ça, je l'ignorais. Des brillants? Non, j'ignorais tout. On nous a pris nos valises, mais tout ce qu'on avait, nos bagages, la nourriture, nos sacs, enfin, tout ce que nous avions, tout ce qu'on avait pu sauver de la débandade. À moi et à votre oncle. Attendez une seconde, c'est peut-être pour ça qu'il se défendait comme une bête sauvage. Hein? Parce qu'il s'est défendu comme une bête sauvage. Oui. Ça veut dire qu'il ne voulait pas qu'on lui vole les brillants? Mais oui, s'il les avait dans sa veste, ce que j'ignorais complètement. Hein? Ça, je viens de l'entendre pour la première fois. Et si j'essayais d'arriver à prouver que vous le saviez? Non, vous n'arriverez à rien. Qu'est-ce que je risque à tenter le coup? Allez-y, essayez, je vous souhaite de réussir. Je vous écoute. C'est encore moi, inspecteur. Arne Reuter. Je voulais que vous sachiez que je l'ai vu. Et alors ?
Il a dit qu'il ne connaissait pas Arne Reuter. Est-ce que vous avez un magnéto à vos côtés? Oui. C'est le moment de vous en servir. Je vais vous informer de ce qui s'est réellement passé. Il a donc dit qu'il ne connaissait pas mon oncle. Je lui ai montré ce que j'avais. Alors, brusquement, il a décidé de faire marche arrière et s'est souvenu qu'un homme avait été tué près de lui. Et que pour les brillants, il n'était au courant de rien. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Si j'arrivais à démontrer qu'il savait très bien où étaient les brillants, est-ce que ce serait un de ces faits nouveaux dont vous avez besoin? Comment allez-vous faire? Oh, il va me falloir y réfléchir encore. Si j'ai une idée, on se rappellera. Il est allé rendre visite à l'homme qu'il croit être l'assassin de son oncle. Ce monsieur-là est un dingue. Arne Reuter. Alfred? C'est cette visite qui te trouble de cette façon? Non, non. Enfin, c'est-à-dire... cette visite m'intrigue. Mais qu'est-ce qu'il te voulait? Oh, j'ai... C'est à peine incroyable. Il y a très longtemps de cela, j'ai connu l'oncle de ce garçon. Nous avons ensemble tenté de passer en zone américaine dans la plus grande illégalité. Oui, à cette époque-là, tout était illégal. La légalité, c'était de mourir de faim, de crever comme un chien. Toutes les forêts étaient alors peuplées de gens qui fuyaient et aussi de bandits. Alors nous avons été attaqués. Et l'homme qui m'accompagnait au cours de cette randonnée, son oncle... Oui, son oncle a été assassiné. Mais c'est effrayant. Jamais tu ne m'avais encore parlé de ça. Oh, c'est parce que j'avais enterré ça dans mon subconscient. Je n'en avais conservé aucune sorte de souvenir, voilà. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à ce jeune homme, que toute cette histoire... Non, n'y touche pas, non. Je vais répondre. Laisse. Hansfeld. Ici Arne Reuter. Je voulais vous dire que j'avais trouvé, et je sais que vous saviez ce que mon oncle avait sur lui. Qui était-ce? C'était encore ce monsieur. Oui. Il s'acharne. Il n'est pas satisfait de ma façon de lui présenter les faits. Il n'a rien compris. Il s'est collé quelque chose dans le crâne. Et il n'en démordra pas. Il est persuadé que c'est moi qui ai assassiné son oncle. Toi? Mais il est fou, ce garçon! J'en suis certain, c'est la question que je me pose sans arrêt. C'est un anormal. Ah, excusez-moi, monsieur Reuter. Une visite pour vous. Je suis content que vous soyez venu. Je dois dire que je m'y attendais. Mon coup de téléphone vous a fait peur. Est-ce que j'ai raison? Je suis venu vous avertir que vous ne pourrez plus poursuivre votre enquête. Je ne peux pas le tolérer et M. Hansval ne doit plus vous voir tant que vous n'aurez pas en main autre chose. J'ai tout de même le droit de sortir et de rencontrer un témoin oculaire qui peut nous dire comment se sont passées les choses. Je vous prie de m'écouter. Vous n'avez pas à accuser ce monsieur de meurtre si vous n'avez aucune preuve contre lui. Est-ce que c'est clair? Mais je les ai maintenant. Alors venez donc avec moi.
De cette façon, je suis sûr que je ne ferai pas d'erreur. Où va-t-on? Chez les Hanswald. Sois pas aussi sinistre. C'est cette histoire que tu n'arrives pas à t'enlever de la cervelle? Oui. C'est embêtant. Cette accusation est simplement absurde. Tout ça est stupide. Je crois que ça ne vaut pas la peine de s'embêter. Mais pourquoi sursautes-tu? C'est ridicule. Je m'inquiète pour un rien. Je suis en train de perdre mon sang-froid. Bonsoir, madame, inspecteur Derrick de la brigade criminelle. Bonsoir, madame Hanswald. Je souhaiterais discuter avec votre mari. Alfred? Entrez, monsieur. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser cette intrusion, monsieur Hanswald. Monsieur Reuter est venu me voir au commissariat et m'a parlé de ses soupçons. J'ai lu le procès-verbal de la police de Bibra, datant maintenant de 1946, et j'ai dit à Monsieur Reuter ce que la loi en aucun cas ne peut lui permettre. Il m'a dit qu'il voulait vous voir, alors j'ai voulu l'accompagner chez vous. J'ai absolument tenu à assister à votre entretien afin qu'il ne fasse pas de bêtises. Sachez que je suis ici pour vous défendre. Oui, et j'admets que je suis soulagé qu'un homme ayant votre compétence en matière juridique soit informé des choses. Vous aurez ainsi l'occasion de vous rendre compte très rapidement que ce dont ce monsieur m'accuse ne repose sur aucune vérité. Est-ce que je peux poser une petite question? Saviez-vous que c'était des brillants que mon oncle avait cousus dans sa veste? Non, je l'ignorais. Votre présence était nécessaire. J'ai apporté une petite lettre. Elle est datée du 20 août 1946. Elle a été postée à Erfurt et envoyée à mon père, qui était à Berlin, par mon oncle. Il y est dit: je dois passer avec les brillants la frontière dès demain. J'ai eu la chance de faire la connaissance d'un homme de confiance qui a déjà effectué le parcours plusieurs fois. Il s'agit d'un certain Alfred George Hanswald, que j'ai naturellement mis au courant de tout. Je lui ai dit que je transportais à l'ouest des brillants cousus dans ma veste. Je sais que je vais sûrement à l'encontre de tes conseils, mais il y a déjà des jours que nous sommes ensemble, et je n'ai aucune raison de douter de l'honnêteté de cet homme. Non. C'est pas vrai, c'est... Est-ce que je peux la lire? Je n'y comprends rien. C'est une lettre qui ne prouve rien parce que tout ce qu'elle raconte n'existe pas. C'est un faux, ce qui est écrit là est faux. Oui, mais peut-être a-t-il voulu me parler de ces brillants, ça ne sait rien. Ce que je sais, c'est que jamais il m'en a parlé. Ceci est insensé. Donnez-moi votre parole que vous ne saviez pas ce qu'il y avait dans la veste. Oui, vous avez ma parole. Et ce mot ne prouve absolument rien. Bon, attendez une seconde. Est-ce que ta fille peut s'arrêter de jouer? Excuse-moi, Andrea, mais alors cette musique me tape sur les nerfs. Oui. Bon. Je vais le lui dire. Oui, c'est merci. Bonsoir, maman. Bonsoir. Où est papa? Erwin. Hein? Il a de la visite. Ah, la visite? Un policier. Il vaudrait sans doute mieux pour tout le monde que la lettre n'existe pas. Et par ailleurs, elle ne prouve pas qu'un meurtre puisse avoir été commis.
En outre, elle ne contredit en rien la déposition que la police de Bébra a pu recevoir. Ça, vous devez vous en rendre compte. Oui. Il ne savait pas où les brillants se trouvaient. Seulement la lettre dit le contraire. Vous pourriez alors lui demander pourquoi ment-il ? J'ignorais tout ! Je vous dis, je vous répète encore que je ne savais pas qu'il avait des brillants. Vous ne saviez rien ? Non ! Vous seriez prêt à le jurer ? Oui, je le jure ! Même sur la vie de vos enfants, de votre fille ? Mais oui, mais bien sûr, oui, oui ! Allez, c'est assez, monsieur Reuter. Je ne crois pas que mon père ait tué un homme. Papa. Nous nous reverrons, monsieur Hanswald. La lettre a bel et bien été écrite. Je voulais avoir votre opinion. Vous avez dit que c'était... Quel mot avez-vous employé ? Une mystification ? Déclaration difficile à encaisser, mais on est bien obligé de l'accepter. Oui, vous êtes bien obligé de l'accepter. Parce qu'on ne peut rien prouver. Parce qu'on ne peut rien prouver. Alors, je vous prie de m'excuser dans ce cas-là. Non, pas d'excuses, c'est inutile, ça ne sert à rien. Nous allons essayer d'oublier toute cette histoire. Est-ce que la police aurait l'obligeance de bien vouloir ne pas poursuivre l'affaire ? Oui, absolument, les soupçons sont insuffisants. Il faut que j'en parle avec le procureur tout de même. Mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Ah, parce que c'est au procureur de me demander de ne pas poursuivre, c'est la légalité. Seulement la lettre, ça peut être un fait nouveau qui entre en ligne de compte. Au revoir, monsieur l'inspecteur, et je m'en remets entièrement à votre décision. Au revoir, monsieur. Ça y est, ils sortent. La police criminelle était chez nous. Pour un meurtre. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi emploies-tu ce mot ? Tu penses que je suis un meurtrier ? Oh, je suis désolé. Ces gens viennent pour une affaire qui remonte à 1946. Il me semblait avoir entendu dire qu'il s'agissait d'un meurtre. Je te demande pardon. Tu dis n'importe quoi, Alors, quelle est votre impression ? Vous avez certainement remarqué qu'il était très nerveux, totalement hors de lui. Ce qui n'a rien d'anormal, compte tenu de vos accusations, vous en conviendrez. Vous n'avez pas vu ces curieuses réactions ? Ce monsieur avait assez mauvaise conscience. C'est une chose indéniable. Moi, je remarque quelque chose de plus ennuyeux. C'est que vous avez rendu visite à M. Hanswald deux fois. Oui. La première fois, vous l'avez laissé nier qu'il savait où les brillants se trouvaient. Oui. Et la deuxième fois, vous lui avez fait voir la lettre qui se trouvait déjà depuis longtemps en votre possession. Oui, je comprends. Vous pensez que c'est la première fois que je devais lui montrer la lettre ? C'est bien ce que je pense. C'est vrai. Peut-être. D'un autre côté, vous sortez tout de suite les atouts que vous avez dans votre manche ? Ce serait une grosse erreur. Je voulais savoir comment il réagirait. C'était mon droit, je crois. Fallait-il que je me dévoile d'un seul coup ? Non. Ils veulent couler. Oui, il en a l'intention. Ou bien alors, il est sûr de lui, il voudrait tirer parti de la situation et agit selon un plan précis. Alors je me demande un peu quel rôle il nous fait jouer. Je ne sais pas, je suis encore dans le cirage. J'ai pris rendez-vous avec le procureur demain. Nous n'avons que des contradictions, inspecteur. Hanswald affirme ne pas avoir connu l'existence des brillants. D'autre part, une lettre privée soutient le contraire. Or, nous n'avons que cette précision. Les données sont insuffisantes. Cela ne suffit pas pour étayer une accusation.
Avez-vous une opinion personnelle ? Non, non, pas la moindre. Seulement, cette famille me paraît suspecte, je l'avoue. Donc, vous êtes allé voir Hansvang ? Son comportement ne me donne aucune indication. Rien ne l'accuse outre mesure. Almut ? Maman. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour Harry. Je suis en retard, il faut que je fonce. Oui, oui. Tu penses encore à l'affaire d'hier soir? Oh non, c'est sans intérêt. J'espère qu'on va te laisser tranquille. Ah oui, oui, c'est ce que j'espère bien aussi. Bonjour papa. Bonjour mon enfant, tu t'en vas? Oui, Erwin, tu peux m'emmener. D'accord, salut. Au revoir. Salut, au revoir mes enfants. Vous m'appelez le 240656. 240656. C'est cela. Merci. Je n'aime pas beaucoup ta façon de réagir. Et comment est-ce que je réagis ? Mais tu ne dis pas un seul mot, tu es complètement affolée. Non, mais je ne suis pas affolée, je suis absolument normale, un peu énervée, ça, je... Mais tu n'as aucune raison de l'être. Et j'ai le sentiment que même l'inspecteur a pu le constater. Oui, il l'a peut-être constaté. Alors, tu vas laisser sonner ? Vas-y. Tu décroches. Je vous écoute. Madame Hansvald. C'est encore lui ? Oui. Je suis pas là. Je ne veux pas lui parler. Que voulez-vous ? Mon mari refuse de vous parler, monsieur. Toutes mes excuses. Oui, j'ai entendu. Je dis que j'ai entendu. Je vais en parler à mon mari. Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'est-ce qu'il voulait encore ? Il a dit, demandez-lui si à cette époque, il se souvient qu'on lui ait donné un petit coup de main. Un Américain n'aurait-il pas aidé à monter son affaire ? Et aurait-il oublié cette personne ? S'appelait-elle bien Harold Lewis ? Que peut signifier ceci ? Que veux-tu que j'en sache ? Je n'en ai pas idée. Je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire. Est-ce que tu te souviens comment tu as monté ton affaire ? Mais attends une seconde. Il fallait avoir une licence. Pour tout, il fallait avoir une licence. Est-ce que tu connais un homme qui porte ce nom ? Lewis. Harold Lewis. C'est incroyable. Pourquoi torturez-vous ce monsieur ? Je vous avais averti qu'il était impossible de faire ouvrir le dossier. J'ai même vu le procureur. Il affirme que les faits sont insuffisants. Pourquoi l'avez-vous rappelé ? J'ai demandé à Madame Hansvald si son mari connaissait un homme d'affaires américain qui l'avait aidé à monter son affaire. J'ai demandé à Madame Hansvald si l'américain se nommait bien Harold Lewis. Harold Lewis ? Vous sortez ce monsieur de votre poche ? Cet homme possède plusieurs magasins dont Hansvald est actionnaire. On peut le contrôler. Ce doit être à la chambre de commerce. Et pourquoi parlez-vous de ce monsieur ? Je suppose que ça pourrait vous aider à savoir comment Hansvald s'est procuré l'argent. Vous pensez sans doute à vos brillants. C'est vous qui le dites ? Bon, écoutez-moi bien. J'ai l'impression que vous jouez un petit jeu dangereux. Depuis quand connaissez-vous ce nom ? Il y a 3 semaines. Vous vous amenez chez nous pour déclarer un meurtre. Jusque-là, je vous suis. C'est une affaire qui concerne bien nos services, entendu. Mais il s'agit d'un meurtre qui date de 46. Et en plus, vous nous cachez plein de choses que vous savez. Dites-moi pourquoi ? Je ne sais pas. Assez de baratin.
Qu'est-ce qu'il y a dans votre petite tête? Je l'ignore. Je veux qu'un meurtre ne reste pas impuni. Pour un moment, vous n'êtes pas un juge. Or, c'est vous qui dictez la sentence. Non. La justice. Je ne suis pas la justice. Vous voulez me rappeler le nom de cet Américain? Harold Lewis. Vous avez aussi son adresse? Oui, il vit à New York et j'ai son adresse. Encore une question. Avez-vous déjà parlé avec ce monsieur? Non. Yes, yes, yes. The name is Harold Lewis. Je vous appelle d'Allemagne. My name is Hansfeld. Harold Lewis was my partner 20 years ago. Vous comprenez? Oui, oui. Je t'en prie, Andrea. Oui, I'm waiting. Peux-tu me laisser seul? J'appelle l'Amérique. On entend très mal. What? Oui, the name is Harold Lewis. Veux-tu ficher le camp? Allez, sors. What? What did you say? Ah oui, oh, yes. Ah bon. Yes, I understand. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. You are so kind. Thank you. Goodbye. Et au revoir. Ça, c'est drôle. Ça fait des années qu'il est mort. Pourquoi ris-tu? Parce qu'il ne donnera plus de renseignements à personne. Quel genre de renseignements? De quoi as-tu peur? Harold Lewis est mort depuis 4 ans. Ah ben bravo. Eh oui, il s'est éteint paisiblement à New York. J'ai des renseignements sur Mrs. Jane Robbins. C'est sa fille. Cette Jane travaille au consulat américain de Berlin. À Berlin, tiens. Peut-être nous aidera-t-elle. Je lui téléphone. C'est fait, j'ai appelé. Et? Mrs. Robbins arrive en voiture dans quelque temps à Munich, après avoir reçu un coup de fil. Après avoir reçu un coup de fil, de la part de qui? On ne sait pas au juste. Il s'agirait d'une affaire de famille délicate. Bien sûr. Penses-tu que la famille ait autant d'importance que cela? Non. Oui, d'accord. Tu as raison. Je suis assez hors de moi. Seulement, je crois qu'il y a de quoi. Et cela ne te concerne pas. Mais si, je suis concernée. Mais je sais que tu n'as rien à craindre de ces accusations. Rien à craindre du tout. Si on peut dire. Tout ça est tout à fait stupide. C'est ridicule. J'y vais. Salut. Ah, inspecteur. Pardon. Bonjour. Excusez-moi, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Monsieur Reuter, s'il vous plaît. Monsieur Reuter est au téléphone. Ah. Il est difficile de le déranger. Voulez-vous l'attendre dans la salle des petits déjeuners? Oui, attendez. Ah, une visite pour vous. Bonjour. Nous avons téléphoné à New York. J'en étais sûr. Harold Lewis est mort. Oui. Quand je pense au temps qu'il m'a fallu pour trouver l'adresse. Et il est mort, c'est drôle. Vous saviez qu'il avait une fille? Je sais également qu'elle travaille au consulat américain de Berlin. Et qu'elle va arriver à Munich. Elle a dit que l'affaire l'intéressait et qu'elle venait tout de suite. Oh, bien sûr, vous lui avez téléphoné. Évidemment. Vous pouviez m'en avertir. J'allais vous le dire. J'ai préféré le dire à Oswald d'abord. Quoi? Que cette dame arrivait. Non, qu'avez-vous dit à monsieur Oswald? Que Harold Lewis était mort et qu'il avait une fille. Qu'elle allait arriver d'un instant à l'autre. Andrea, cet homme veut m'anéantir. Il veut simplement me détruire. Il veut me détruire, me réduire à néant. Et non seulement moi, mais il veut détruire la famille toute entière. Il faut que j'appelle Erwin. Et aussi Hartmut. Il faut pas embêter les enfants avec cette histoire. Il faut pas les ennuyer avec...
est Harold Lewis. Il a une fille. Est-ce que... Tu crois que c'est... C'est la fatalité. Où devez-vous rencontrer Mrs. Jane Robbins, Whiter? Elle m'appellera. Ici? Je lui ai donné l'adresse de cette pension. Alors je vais vous donner un bon conseil. Je veux que vous laissiez tomber, vous comprenez ce que je veux dire? Je sais ce que vous voulez. Je l'espère. Quand Mrs. Robbins appellera, vous m'appelez. Vous avez le numéro? Eh ben voyons, brigade criminelle, ça ne s'oublie pas facilement. Non, ne réponds pas. Il faut pas le laisser faire. Laisse-le sonner. Il va peut-être se lasser. Je m'en fous de la paix. Oui, j'écoute. Un moment, monsieur. La brigade criminelle. Réponds, voyons. Écoutez, Hansalt. Vous savez sans doute que la fille d'un de vos associés américains, Mrs. Jane Robbins, va arriver à Munich aujourd'hui. Oui, oui, je suis au courant. Quelqu'un m'a téléphoné qu'elle allait venir. C'est bien exact? Oui, elle doit venir. Alors, vous allez m'écouter une seconde. Je vous interdis de répondre à M. Reuter. S'il vous appelle, en aucun cas vous ne lui répondez. Plus rien ne doit se passer sans l'intervention de la police criminelle. Compris. J'aime autant ça. On a eu la même idée. On ne répond plus jamais à M. Reuter. S'il revient nous embêter, je le fous à la porte. J'ai le droit de me défendre, même par la violence. Oui, oui, j'ai le droit de me défendre. J'ai le droit. Oh non, Alfred, non. Non, pas la violence. Nous voilà. Eh oui, me voilà. Arne Reuter, le neveu du monsieur que votre père, au mois d'août 46, dans la forêt de Bebra, avait accompagné dans l'illégalité la plus totale, avait assommé et assassiné. Et pourquoi faites-vous ça? Je suis aussi triste que vous. Racontez ça à qui vous voudrez, seulement faites attention. Il n'y a aucune preuve contre nous. Je vais m'en occuper. J'ai tout mon temps. Je suis très patient. Mon père ne peut pas avoir fait ça. C'est naturel de penser ça. Qui ferait une chose pareille? C'est pourtant la vérité. Tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Une question. Vous connaissez votre père. Vous constaterez donc que depuis 2 jours, il a beaucoup changé. Vous trouvez cela naturel? Oui, cela me semble naturel. Après de telles accusations... Demandez-lui donc où il a trouvé l'argent qui lui était nécessaire. Il a dû payer avec les brillants qu'il a volés. Les enfants viennent d'arriver. Écoute, les enfants, il ne faut pas que les enfants soient mêlés à cette affaire, tu m'entends? On ne doit dire aucun mot de cette histoire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Non, je ne comprends rien du tout. Rien? Non, rien. Ah, oh, tu es déjà là? Et vous arrivez bien tard.
Étiez-vous passé ? Nous avons fait un petit détour. Il sait exactement où je travaille. Il a téléphoné en disant « Je voudrais vous rencontrer. Amenez votre sœur, je vous prie. » Bien. Et que voulait-il ? Nous dire que l'affaire était facile à expliquer, qu'elle était claire, qu'il n'avait qu'une question à nous poser. Quelle était cette question ? D'où te venait l'argent ? Que tu étais devenu diamantaire dans les années 50 et qu'il cherchait... D'où te venait l'argent ? Il a dit que tu avais payé avec les brillants. Papa. Je pense que... qu'il doit être simple de démontrer le contraire. Papa. Je vais tuer ce menteur. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured. Bonsoir, monsieur. J'écoutais de la musique. Alors, vous vous impatientez ? J'attends sans arrêt que le téléphone sonne. Personne ne vous a encore appelé ? Non. Vous voulez vous asseoir ? Désirez-vous quelque chose à boire ? Non. Vous devenez une obsession. Je n'arrête pas de penser à vous. À moi ? Oui. J'ai très bien compris que vous êtes en train de mijoter une salade quelconque. Moi ? Je mijote ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous n'avez pas osé arrêter un meurtrier. Alors il est naturel que je veuille essayer de m'en charger tout seul. Bien que cela soit votre travail, logique et méthode, ce sont vos armes. Moi, j'aimerais connaître vos intentions, ce que vous avez dans la tête. Ce que j'ai dans la tête ? Venger mon oncle. Il faut replacer les événements dans leur contexte. Ce dont personne ne se préoccupe. Je ne peux continuer à vivre sans me sentir responsable. Et alors ? Ça vous mène à quoi, ce petit jeu ? Je ne tolérerai jamais qu'un crime reste impuni. Je suis personnellement engagé dans ce combat. J'ai besoin de... de me libérer de ce fardeau. Il est trop lourd. C'est loin de votre ligne de conduite. Oui, car le travail de la police ne consiste sûrement pas à régler des comptes. Nous devons rechercher les coupables, réunir des preuves et rien de plus. Notre fonction à nous consiste à faire régner l'ordre, mais la justice est rendue par des gens plus compétents. Et alors ? Je vais dans votre sens. Je désire moi aussi que l'ordre règne. Je ne souhaite que ça. C'est pour ça que j'agis. Ouais. Maintenant, donne-moi donc à boire. Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous me faire le plein, s'il vous plaît ? Oui, il fait froid, rentrez vous réchauffer. Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, la cabine est à l'intérieur. Tu n'as rien fait de ce dont il t'accuse. Non. Tu nous le jures, papa. Jurer ? Je dois le jurer. Je te demande pardon. Ici Mrs. Jane Robbins. Je voudrais rester seule. Vous êtes un ancien ami de mon père, Harold Lewis. Oui, c'est bien ça. Votre père était un excellent ami à moi, c'est vrai. Oui, un excellent ami. Vous connaissez un nommé Arne Reuter. Bien sûr. Que voulait-il vous dire ?
Il m'a simplement demandé si vous aviez appris que les brillants étaient dans la veste de son oncle. Et vous... Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je ne lui ai rien dit. Voilà, ça y est. Cela vous causerait-il des ennuis si je disais que vous étiez en possession des brillants? Je sais que mon père vous les avait rachetés. J'en ai même un à mon doigt. Allô? Vous m'entendez? Allô? Je vous entends, oui. Je pense que ça pourrait m'en causer. Oui, oui. Sans doute d'assez gros. Je crois qu'il faudrait ne pas en parler à personne. Je vous supplie de ne rien dire. Je vous prie de dire que vous ne savez pas, que vous ignorez complètement que votre père m'avait racheté ces brillants. Oui, bien sûr. Seulement, Arne Reuter a dit également que sa question devait avoir un rapport avec un meurtre commis en ce temps-là. Mais tout ça, c'est une invention de cet individu. Ça ne tient pas debout. Un meurtre. Il n'est pas question de meurtre. Mrs. Robbins, je vous assure que vous m'aideriez beaucoup en ne disant pas un mot au sujet de ces brillants. D'accord, mais si la police me pose la question? Je sais qu'elle vous la posera, mais ne leur dites rien au nom de l'amitié qui me liait à votre père. Mentez-leur. Mrs. Robbins. Allô? Allô, Mrs. Robbins? Mrs. Robbins? Mrs. Elle est là. Mrs. Robbins. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Arne Reuter? Non, je m'appelle Derrick, brigade criminelle. Voici Arne Reuter. Bonjour. Je vous remercie d'être venu. Nous vous attendions depuis des heures. Afin que puisse être, après tant d'années et de combats, un meurtrier enfin puni. On se tait. Et on ne dit plus rien. Et pourquoi on se tairait? Oui, c'est vous qui posez les questions. Mrs. Robbins, je vous en prie, veuillez prendre place. Puis-je voir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Excusez-moi. C'est tout naturel. Vous êtes la fille de Harold Lewis, l'ex-associé et ami de Monsieur Alfred George Hanswald, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ce monsieur était l'ami et l'associé de mon père. Merci. De rien, inspecteur. Les statues de la fabrique que mon père avait fondée sont dans un coffre à New York. C'est extraordinaire. Et, Miss Robbins, sauriez-vous, d'une manière ou d'une autre, dans l'affaire que possédait votre père, quel était le montant de la part de Hanswald? A-t-il payé avec les brillants? Il me semble vous avoir déjà dit de vous taire. Sortez, monsieur Reuter. Je ne bougerai pas d'ici. Très bien, c'est ce que nous allons voir. Entendu. Je fais ce que vous désirez. Excusez-le. Dois-je reposer ma question? Non, non. J'ai très bien entendu votre question. A-t-elle autant d'importance? Oui. Il se peut que la réponse nous permette de rouvrir un dossier de meurtre. Meurtre? Vous ne parlez que de ça. Où voulez-vous en venir? Mrs. Robbins, est-ce que Hanswald aurait payé la société avec des brillants volés? Oui. Cet Hanswald a revendu à mon père les brillants qu'il avait volés. Pour plus de 200 000 dollars. J'ai un de ces diamants à mon doigt. Dans cette vente, y avait-il quelque chose d'illégal? Sans aucun doute. Ces pierres n'appartenaient pas à Hanswald. Mais comment étaient-ils en leur possession? C'est ce qu'il va falloir qu'ils nous apprennent. Attendez-moi une minute. À qui est-ce que vous téléphoniez? À Hanswald, naturellement. Nous allons chez lui.
Je l'ai prévenu qu'on arrivait. Appelez mon bureau. Allô, Harry ? C'est enfermé chez lui. Je t'en supplie, ouvre cette porte. Vous ne bougez pas de là. Alfred, ouvre-moi. Je t'en supplie. Alfred, mais veux-tu m'ouvrir cette porte? Arrête de crier. Ouvre-moi Maman. Cette porte. Mais Maman, laissez-moi. Calme-toi, allons. Ouvre la porte. Alfred, mais lâchez-moi. Enfoncez-moi cette porte. Mais vite, veux-tu me lâcher? Maman, essaie de te calmer. Alfred, mais qu'est-ce que tu as? Oh, Alfred! Oh, Alfred! Venez, madame. Oh! Oh non! Laissez-moi! Non! Mais je veux rester! Oh, lâchez-moi! Il faut que je reste! C'est un aveu. Il reconnaît qu'il savait où se trouvaient les brillants. Il avoue qu'ils étaient dans la veste de Arne Reuter et qu'il s'en est emparé. Parce que les bandits n'avaient rien trouvé. Il ne s'est pas occupé de savoir ce qu'il était advenu de son compagnon. Il n'a effectué aucune recherche et il ne s'est pas inquiété de la famille. Mais il jure devant la mort qu'il n'a pas tué son ami et je pense que son suicide peut en être une preuve suffisante. Vous avez ce que vous vouliez. Le meurtre est enfin élucidé. Mais n'oubliez jamais que vos accusations ont tué un homme. Billy, appelle-moi une ambulance.